tout tombe. Coucou tout le monde, c'est vendredi le 28 octobre. Et je ne sais pas comment terminer cette phrase. J'ai oublié de mettre un point. Donc vendredi 28 octobre, si c'est bientôt le week-end, voilà ce que je voulais dire, probablement. J'espère que vous allez bien. Il fait encore un temps absolument incroyable ici, mais vraiment une bonne vingtaine de degrés. L'été indien et plus que ça encore. Je viens vous voir en vitesse avant de partir avec mes cocottes à un spectacle de l'orchestre symphonique de Metz. Donc voilà, spectacle jeune public, mais avec l'orchestre symphonique, donc ça va être a priori hyper sympa. Première fois, je pense, pour les deux, qu'elles assistent à un concert avec tous les instruments, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça va être très très chouette. J'imagine que je n'aurai pas le droit de faire d'image, donc il faudra... Je vous en parlerai après, savoir comment c'était. Mais voilà. Du coup, je viens vous voir en vitesse faire un petit point tricot, etc. Et en même temps, je me dépêche car j'essaye de terminer ma chaussette. Ma deuxième chaussette pour le Halloween de 2022 de Matsusagi et Mimi, qui prend fin dimanche, je crois, le 31, j'imagine. Donc autant se dépêcher. Attendez voir, mais dimanche n'est pas du tout le 31, c'est lundi le 31. Bon, je ne sais pas quand ça prend fin, mais je voudrais terminer mes chaussettes. Il me reste 5 rangs à faire. Et puis ensuite, faire une jolie petite photo. Voilà. Ça, j'arrête pas de vous annoncer ça, parce que j'ai une idée de comment je voudrais faire la photo et tout, mais... Si ça rend pas bien, vous allez être très déçus. Et moi avec, hein. Moi avec. Donc ouais, vous avez vu, hein, je suis vraiment sur les dernières diminutions de mes orteils. 4 ans à présent. Je viens de terminer celui-ci. Donc, dans 10 minutes, c'est fini, quoi. Il me reste que le grafting à faire. Je fais toujours un Kitchener Stitch pour finir mes chaussettes. C'est une façon de faire que du coup maintenant je maîtrise et j'ai plus besoin de regarder un tuto ou quoi, donc ça va être bien rapide. Pour tricoter mes chaussettes, ça je vous en ai déjà parlé, j'utilise des mini circulaires, soit les Adi Wundersock, soit des Xiaogu. Je suis en train de tout casser alors que mes aiguilles sont pas là. Je voulais vous les montrer, mais clairement elles sont pas ici. Soit des Xiaogu, pareil, en mini circulaire. Et pour faire généralement le talon, peu importe le talon que je fais. Là, j'avais fait un Fish Lips Kiss Heel. C'est dur à dire. J'ai utilisé mon petit set de Crazy Trio de chez Adi. Alors c'est un set composé de 3 aiguilles qui sont flexibles en leur milieu. Je les avais achetées au départ pour tricoter mes chaussettes avec, en s'en servant donc comme des doubles pointes, mais disons que au lieu d'en avoir 5, vous n'en avez que 3 parce qu'elles sont flexibles, donc ça permet ça. Le truc, c'est que finalement, quand je tricote ma chaussette avec, je me retrouve sur le côté de la chaussette avec une sorte de petit escalier. Enfin, pas un escalier, mais je gère un peu moins bien ma tension et c'est moins joli. Et en plus, ça demande pas mal de manipulation. Pour moi, c'est beaucoup plus ergonomique de travailler avec les mini circulaires. Mais... je sais que certaines personnes aiment beaucoup ces aiguilles et tricotent quasi exclusivement avec leurs chaussettes.
Voilà, moi je. Pareil, hein, y a des gens qui adorent le Magic Loop et ne jurent que par le Magic Loop pour le tricot de chaussettes. Moi, c'est vraiment les mini circulaires. Plusieurs outils, plusieurs façons de faire, et ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour, y en a pour tout le monde finalement, tout le monde s'y retrouve. Donc, vraiment, ça a terminé dans les minutes qui viennent juste avant de partir. L'autre chose que je voulais vous montrer, sur laquelle je voulais revenir, c'est donc... C'est une merveille. C'est trop chouette. Trop chouette. Oh, je l'adore. Je l'adore. Il continue de se dérouler. Je vais aller jusqu'au bout de mon... Je sais décidément pas comment appeler ça. Plate, en anglais. Comment est-ce qu'on dit, nous, du coup, en français ? Pour ce machin à plat, c'est pas vraiment une... c'est pas un écheveau, c'est pas une pelote. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc, j'ai vraiment... Alors, je vais aller au bout. Twic ! Une fois que je serai arrivée au bout, je vais le repasser sur un grand câble pour le réessayer vraiment correctement. Mais bon, là déjà, je vous l'avais dit, hein, je l'avais passé avant de faire la séparation. Ça allait, donc voilà. Je pense que on est bon, on est bien. Les emmanchures, ça descend suffisamment bas. Enfin, je pense qu'on sera bien. Il n'y a pas de souci. Et une fois que j'aurai fini mon plate, je vais faire les manches. Voilà, comme ça. Bon, j'en ai encore deux complets. Et là, c'est seulement mon premier, hein, sur lequel je suis encore. Bon, je pense que ça devrait aller, je ne devrais pas manquer de laine. Et franchement, du coup, je me dis qu'en recommandant peut-être que... Bon, un seul comme ça, je pourrais en refaire un. J'ai vraiment tout à fait encore assez de contrastant dans une taille un peu plus petite. Mais... Je ne sais pas si mes filles porteraient ce genre de tricot un peu rustique, hein, vraiment. Bref, mais c'est une idée. En tout cas, ça pourrait être possible. Je voulais vous remontrer ça parce que j'ai donc, hier, hein, je vous avais montré, j'ai changé. Je suis passée sur le câble de chez Xiaogu, le... Swiss 360, le câble qui m'a été super gentiment envoyé, offert par Sandrine, ma petite mercière préférée. Donc, je suis passée sur ce câble-là pour tricoter et voir un petit peu ce que ça a donné. Donc, j'ai fait plusieurs centimètres avec. Je peux commencer à vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, le côté 360, c'est-à-dire le côté... en fait, ça tourne au niveau de la jointure. Ça doit être monté sur une sorte de petit roulement à billes, je ne sais pas trop. Et ce qui fait que votre aiguille peut tourner. C'est très pratique, je trouve, parce que du coup, votre aiguille se place toujours bien. Il n'y a pas de problème. C'est difficile à expliquer puisque ce sont des ressentis de tricot. Alors mettre des termes là-dessus, c'est pas simple, mais je vois le bénéfice du fait que ça tourne, l'aiguille tourne, et effectivement je trouve que ça se place toujours bien. J'ai pas besoin de des fois remettre mon tricot correctement, comme ça peut parfois m'arriver avec des aiguilles alors je vais pas dire fixes parce que celles-ci ne sont pas fixes, hein, je peux changer d'aiguille, elles ne sont pas accrochées au câble. Mais ce que je veux dire, c'est un câble qui ne bénéficie pas de ce petit système qui le fait tourner. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est plus ergonomique. En revanche, et je pense que... le problème que je rencontre, c'est qu'au niveau de la jointure, il y a un petit décrochage qui permet... que ça tourne. Mais ce petit décrochage fait que ça raccroche les mailles. Alors, sur ce modèle-là, que j'ai tendance à tricoter plus loose, plus relâché que ce que je fais d'habitude, parce que la laine m'oblige à avoir un tricot beaucoup plus souple, je vois que ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que ça passe quand même, ça raccroche. Je sens que ça raccroche un peu, mais
très légèrement. En revanche, je me dis que sur un tricot où j'aurai ma façon de tricoter habituelle, enfin, moi je tricote assez serré, je pense que ça pourrait être problématique et raccrocher les mailles. Donc, pour l'instant, sur ce projet-là, ça ne me pose pas de problème et je trouve même que c'est plus fluide qu'avec mon câble habituel, mais à retester sur un autre fil, un autre projet pour voir un petit peu si ce ressenti se confirme ou si ben, effectivement ça raccroche mais ça ne gêne pas le tricot. Ça raccroche de façon trop discrète. Bref. Après, c'est parce que ouais, les fils, les câbles Xiaogu que j'ai dans mon set, là, les câbles rouges, il n'y a vraiment aucune jonction à cet endroit-là. Ça, c'est smooth, quoi. Vraiment, ça, c'est tout lisse, ça passe tout bien. On ne sent pas du tout que le tricot raccroche. Donc là, ça fait une petite différence. Mais je me rappelle par exemple de mon kit Symphonie de chez Knit Pro, je me rappelle que ça raccrochait au niveau de la jonction. Et alors celui dont je vous avais parlé la dernière fois, là que j'utilise quasiment jamais, là, le kit Hedgehog Fiber, lui ça raccroche beaucoup beaucoup. Donc là on n'est pas à ce degré-là. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Donc sur ce tricot-là, ça ne me gêne pas pour l'instant, mais à voir sur du plus long terme. Je termine juste en vous montrant un petit truc. Hier, en déballant un petit peu toutes mes laines à chaussettes, d'ailleurs, merci pour vos retours sur le vlog, parce que du coup, vous m'envoyez des petites suggestions de patrons qui pourraient coller avec telle ou telle laine, donc c'est chouette. Et voilà, juste un tout petit disclaimer, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais... bien entendu, l'idée pour moi quand je vous montre mes laines, c'est pas du tout de vous faire vous sentir mal parce que peut-être vous n'en avez pas autant, parce que peut-être... vous donner envie, mais une envie qui serait pas sympa, quoi, qui vous frustrerait, voilà, c'est ça, qui ferait ça, qui provoquerait de la frustration. Vous voyez l'idée, quoi, hein, c'est plus dans une idée de partage, mais j'espère bien... que ça ne vous... Ouais, ça ne vous frustre pas trop et que vous vous dites pas que ça fait étalage de tout ce que je possède. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Franchement, quand je faisais le point hier sur les laines, enfin, principalement sur les écheveaux, il y a beaucoup de choses qui m'ont été offertes, que ça soit par mes amis ou que ça soit par des marques qui me proposent de tester leur laine ou des teinturiers qui... des teinturières qui me proposent de tester leur laine pour que je vois un petit peu les teintures qu'elles font. Donc de ce point de vue là j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que si je devais moi m'offrir m'acheter cette laine de par moi-même, effectivement probablement que mon stash ne serait pas aussi fourni. Et je dois bien dire aussi qu'une fois que j'ai enlevé toutes les laines à chaussettes, bah vous les voyez là, hein, une fois que j'ai enlevé toutes les laines à chaussettes de mon stash, il me reste 4 écheveaux de laine qui ne sont pas des laines à chaussettes. C'est l'entièreté de mon stash que je vous ai montré hier. Alors, pour certaines, il va probablement être très important. Pour d'autres, au contraire, c'est pipi de chat. Voilà, mais pour moi, il est bien. En fait, quand j'ai besoin d'une quantité pull, enfin, j'ai pas de quantité pull d'avance. Quand j'ai une idée de modèle et que je veux le tricoter, j'achète la laine nécessaire pour un pull, pour un gilet, pour un châle même. Par contre, pour les chaussettes, c'est vrai que quand je croise un bel écheveau, j'ai parfois du mal à résister. Et puis, vous avez vu, il y a des petites laines industrielles, de la Worcestershire Spinner, de la Yavol de chez Lang. Tout ça, c'est des petites laines qui sont bien sympas pour faire des chaussettes et où on est sur des tarifs tout à fait... je pense, hein, après c'est mon point de vue, mais tout à fait raisonnable, quoi. Donc, voilà, fin de la parenthèse. J'espère vraiment que vous ne vous êtes pas dit que c'était un étalage un peu trop important pour vous et que ça vous rendait triste plutôt que... Voilà.
Fin de la parenthèse. Donc, en regardant dans mon stash, j'ai ressorti ces deux petits restes qui sont des restes du châle Leloa de Bérangère Caillot que j'ai tricoté pour ma grande cet été, au printemps peut-être bien. Donc voilà, et il me reste ça. Et j'ai très envie, une fois que les chaussettes sont terminées, dans la foulée, de monter une petite paire de mitaines. J'ai l'impression de parler ultra vite. On sort de table, je viens de prendre mon café, je suis comme une balle. Je suis complètement excitée. Ouh, on va se recentrer. Voilà, donc j'ai envie de lui faire une petite paire de mitaines. Et... ah, voilà que j'ai oublié le nom du modèle. Un modèle que Margeva a tricoté il n'y a pas très longtemps. Ça doit être les Everything November Mits. Et moi, je l'avais vu sur un podcast anglophone, je ne sais plus du tout lequel. Donc, elles étaient dans mes... enfin, elles étaient dans mes favoris. Je ne suis même pas sûre qu'elles soient dans mes favoris, mais l'onglet est ouvert sur ma page Ravelry depuis fort longtemps. Donc je pense que je vais les acheter, enfin acheter le patron, ça, c'est un patron payant, et lancer les petites mitaines. Je pense que je vais faire des rayures en fait. Voilà. Donc je termine mes chaussettes, et dans la foulée, je lance les mitaines pour aller avec son châle. Bon, je crois que j'ai déjà beaucoup, beaucoup parlé par rapport au temps qu'il m'était imparti. On va aller se préparer, terminer les chaussettes et direction le spectacle. C'est trop cool, je suis hyper impatiente. Je vous en reparle après. Et si j'ai pu faire des images, eh ben, elles arrivent.